Salut mes Kinder! Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 1er septembre et il est 10h05. Je me suis levée il y a une heure je crois ou peut-être 1h20. J'ai commencé un petit peu à bosser sur le Facebook de l'asso du festival. J'ai enfin récupéré tout ce que j'avais pas fait hier et c'est bon, maintenant c'est fait. Donc là, je vais commencer à m'occuper des tâches habituelles, c'est-à-dire préparer la publication ce soir à 18h du programme de la journée de demain, faire la programmation pour demain matin, enfin demain matin, demain après-midi, du récap de la journée de demain, les fameux événements à ne pas manquer aujourd'hui. Ensuite, je verrai si je fais une pause parce que ça fait déjà une demi-heure, je crois, ou un peu plus que j'ai commencé à bosser sur le Facebook de l'asso. Il y avait déjà 5 publications de programmées. Là, il y en a une qui s'est déjà lancée. Il y en a une autre, en fait, c'est pour demain que j'ai fait d'avance. Donc là, il faut que je fasse ces deux choses-là que je vous ai dit par rapport au programme. Le plus long, ça va vraiment être le programme en lui-même. Même si heureusement pour moi, lundi et mardi, ce sont des journées quand même plus petites, de plus de la taille de celles d'aujourd'hui dimanche. Ce qui m'arrange quand même assez, on est d'accord. Hein. Alors je me suis dit que j'allais vous filmer ça, vous verrez pas l'ordinateur étant donné que j'ai calé la caméra comme j'ai pu. Elle est sur un... Je sais pas comment on appelle ça, pas un trieur, mais un petit meuble avec trois tiroirs. Vous l'avez vu sur mon bureau, il est posé sur la droite de mon bureau. Vous l'avez forcément vu dans mes vlogs précédents et notamment dans mon flat tour. Alors il est posé sur ça, mais en plus il est posé sur ma boîte contenant gaming headphones, mon casque... pour la console. Alors il fonctionne aussi sur l'ordi hein, mais c'est casque microphone pour la PlayStation et vous êtes posé sur ça en équilibre, donc j'ai calé vraiment comme j'ai pu, vous verrez surtout ma tête et ce sera en accéléré avec de la musique ce passage bien évidemment, mais je me suis dit que ça a changé un peu, donc voilà. Je disais qu'il faudra que je vois si je fais une pause pour reprendre le montage vidéo et à ce moment-là je ferai un stop dans ce clip étant donné qu'il faudra que je sorte la carte mémoire et que je récupère les derniers clips que j'ai fait. Et sinon après il faudra aussi que je prépare d'avance 4 à 8 postes qui seront dispatchés sur toute la semaine pour des activités spécifiques. Il faut que je fasse pour les deux tables rondes, donc un par table ronde. Il faut que je fasse aussi deux pour les deux ateliers stop motion et que j'en fasse un assez conséquent pour parler de la soirée de vendredi prochain avec l'association 454. Donc voilà, on va commencer, donc c'est parti pour la musique. Thank you.
terminé le programme pour demain. J'ai aussi dû faire un autre poste que j'avais oublié de faire. Là, il me reste à faire le fameux poste pour demain des événements du jour à ne pas manquer. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais je vais quand même arrêter ce clip ici parce que ça tourne depuis déjà une heure et ça fatigue la batterie. Bien sûr, le clip ne fera pas une heure, il sera accéléré à fond, on est d'accord? Voilà, je vais m'arrêter là et je vous retrouve soit plus tard dans la journée, voire même ce soir, si jamais j'ai envie de vous faire un récapitulatif de la journée. Peut-être tout à l'heure, si je vous montre très très rapidement, genre juste une minute, mon repas du midi, si j'y pense. Ouf, d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il est déjà 11h, hein. Et voilà, je vais donc aussi m'occuper, avant ou après manger, peut-être après, m'occuper du montage de ce clip-ci et des deux clips précédents. Puis je dois surveiller l'heure, voir à quel moment je dois retourner sur le site du festival. Ah non, Pauline, je peux pas la voir aujourd'hui puisqu'elle est pas là. Bref, je vais réfléchir à tout ça. Et je vous dis à plus tard. Alors, me revoilà pour un nouveau morceau de ce vlog. Finalement, pour le moment, il fait 10 minutes, mais après que j'ai monté les 3 clips qui sont en attente, je pense que ça fera déjà beaucoup plus. Comme vous pouvez le voir, je viens de rajouter le prochain clip à monter, et après il en restera encore 2 avant celui-ci. Je suis en mode ménage et je suis assez productive aujourd'hui, ce qui m'étonne. En fait, si j'ai tout lavé, il me reste juste à passer l'aspirateur. J'ai fait le bar, donc vous savez, le bar c'est tout ça. Je me suis occupée ici, tout ça, le plan de travail, les plaques, le lavabo, deuxième lavabo, le dessus de la poubelle, la baignoire et un peu la partie autour, et les WC intérieurs, extérieurs. Il me reste à passer l'aspirateur, donc dans l'appart, ça prend 10 minutes à tout casser, hein. C'est à force qu'on a l'habitude, ça va. Je vais juste vous montrer câlin avant, puis je vais poser la caméra et faire tout ça. Alors c'est parti, je commence d'abord par le couloir, donc vous m'entendrez, mais vous me verrez pas tout de suite. Alors aujourd'hui on est lundi 2 septembre et il est 5h32. Je voulais faire un petit outfit of the day. Alors bon, mes cheveux ils sont toujours attachés parce que dès qu'il fait chaud et que je cours partout, ben voilà. Sinon aujourd'hui j'ai mis le t-shirt de la fac, donc avec derrière un
J'aurais du mal à vous montrer, mais derrière, il y a marqué aussi Université de Lorraine. Dessous, c'est le même legging que j'avais hier. C'est un qui est plus long. Mais pour compenser, j'ai mis des nu-pieds. Alors, j'ai pas mal avancé aujourd'hui. J'ai même énormément avancé depuis ce matin. Si je devais accumuler toutes les heures d'aujourd'hui, je pense que ça doit se joindre aux 6-7 heures comme hier, en fait. Sauf que là, j'ai fini, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai terminé, planifié sur la page toutes les publications qui devaient l'être, tout ce que je pouvais faire, ça a déjà été fait. Donc pour tous les événements spéciaux, tous les programmes, tous les récapitulatifs de programmes, c'est fait. La publication pour le 8 septembre et pour le 15 septembre, c'est fait aussi. En fait, ce qui va me rester à faire plus ou moins tous les jours, bon bien sûr, c'est de tout vérifier, hein, vérifier au fur et à mesure que tout soit bien publié, vérifier s'il y a des commentaires, etc., etc., bien évidemment. Mais ce que je ferai au jour le jour, c'est de rajouter les... rajouter des petites choses spécifiques, par exemple pour les concerts. Ça, je peux pas le faire avant, de montrer des images du concert, je peux pas le faire tant qu'il a pas eu lieu, c'est logique. Couvrir la soirée spéciale coréenne de vendredi. Le portrait de Saglara Torbeva, qui est une réalisatrice russe super sympa. Donc ça, il faut que je le fasse demain. Filmer une interview du réalisateur mexicain Denis Rodriguez, ça aussi normalement ça se fait demain. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, il y aura bien sûr samedi la diffusion en direct sur la page Facebook de la cérémonie de clôture et je suis super contente parce que grâce à mon contact à la mairie lors du vernissage vendredi dernier, j'ai réussi à obtenir, on a fait un partenariat en quelque sorte. Ils vont partager, en fait, le community manager de la page Facebook Ville de Nancy, donc de la mairie, va partager mon live sur la page Facebook du festival. Et ça, c'est juste génial pour avoir plus de couverture, plus de pub à ce moment-là. Alors ça m'a pris la majorité de la journée. Surtout que j'ai dû me couper à un moment donné pour aller au festival. Là, je surveille l'heure normalement à 18h et finalement, c'est à 18h20, croisons les doigts. Je dois faire une autre vente, réaliser une autre vente. Là, c'est en direct, j'ai pas besoin d'envoyer quoi que ce soit. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'à 18h45, je sois de nouveau à la manufacture pour faire les photos du Focus Amérique Latine. Il faut que je vois à quel moment Denis va parler, est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent parler, enfin ce genre de choses, et voir si je fais les photos au début ou à la fin, en sachant qu'il faut pas que je rate le concert non plus. Surtout qu'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, et jusqu'à demain 14h, en fait, Pauline n'est pas là. Donc la bénévole qui s'est proposée pour faire la couverture des photos n'est pas là. D'ailleurs, à la fin de la semaine, il faut absolument que je récupère tout ce qu'elle, elle aura fait pour pouvoir programmer des publications dans les semaines à venir. Avec tout ça, ça fera du contenu supplémentaire pour aider Tony, parce que moi officiellement j'arrête dimanche. Dimanche c'est mon dernier jour et ça j'y tiens, j'ai pas tellement le choix. Ce sont des horaires inimaginables. Sinon je vais juste vous montrer vite fait Calin qui est par là-bas et je vais vous montrer aussi le montage que je suis en train de faire. Donc voilà. Je veux pas le déranger mais il est trop beau. Alors je voulais vous montrer donc que là j'étais en train de planifier une nouvelle vidéo. Donc ça en fait c'est le vlog numéro 5, c'est le premier vlog concernant le festival. Celui-ci dans lequel je suis en train de vous parler, c'est la deuxième partie en quelque sorte. Donc là vous voyez j'ai marqué, je l'ai rajouté dans les planifiés, je l'ai barré des vidéos en cours, il y a la deuxième. Et il y aura le vlog par rapport à la reprise de la fac, mais je sais pas encore trop comment je vais goupiller ça, il faut que j'y réfléchisse et que je vois ce qui m'inspire le plus. Et sinon, j'ai eu l'idée, afin d'être beaucoup plus professionnelle, j'ai eu l'idée de faire une liste en fait sur tous les jours, donc du 30 août au 8 septembre, tous les jours en fait je fais le calcul du nombre de j'aime sur la page Facebook qui sont en plus, afin de voir l'efficacité que j'ai pu avoir en fait. Voilà. Donc je vous dis
À plus tard. Salut mes Kinder, bienvenue dans ce nouveau clip, pas nouveau vlog, juste nouveau clip. On est mardi 2 septembre et il est 8h42. Moi je viens de me lever, enfin pas là tout de suite, en fait ça fait déjà 40 minutes que je suis debout. Mais dès que je me suis levée, bah, je suis allée aux toilettes, je me suis fait le visage, j'ai donné à manger à Calin, ensuite j'ai allumé l'ordi, j'ai téléchargé les photos que j'ai faites hier soir, j'ai téléchargé pour vider la carte mémoire de la caméra les 3 clips que j'avais encore qui étaient dedans. D'ailleurs je vais vous montrer de loin, je suis en train de faire le montage de cette deuxième partie. Et là tout de suite je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer aussi ce que j'ai. J'ai demandé sur la page Facebook du CDE à quelle heure il ouvre aujourd'hui, car ça y est, en fait il a réouvert hier, mais moi j'étais persuadée que hier c'était le dernier jour où il était fermé. Bon, au final j'ai vu qu'hier ils ont ouvert qu'à 14h, ce qui m'aurait pas servi parce que j'étais prise tout l'après-midi hier. Mais aujourd'hui j'ai un peu plus de trous dans la journée et j'aimerais beaucoup y retourner. Déjà, nostalgie, non je rigole, enfin si un peu, mais j'aimerais surtout y retourner pour pouvoir me poser là-bas et enfin lire ce foutu bouquin, le deuxième que j'avais emprunté. J'aimerais vraiment le commencer avant ma rentrée qui est dans des jours. Je vous laisse regarder tout ça. Alors, j'ai pas encore sorti mon bol de porridge que j'ai fait hier soir en rentrant, mais j'ai eu une idée, je vais essayer de le garnir un peu. Donc j'ai du chocolat, bon c'est du chocolat pâtissier, mais je vais en couper que 1, 2 carrés grand max. J'ai des amandes. Ma dernière banane qui est archi mûre, donc je me dis que la mélanger ce serait mieux. Mon thé qui doit commencer à refroidir je pense. Ça c'est au récupérable. Et là-bas donc je vais vous montrer. Alors pour le moment elle est à 12 minutes de montée. J'ai pas encore monté, donc là je viens de rajouter un bout, j'en ai encore deux autres à rajouter et à monter. Je pense qu'elle atteindra déjà les 20 minutes, ça c'est sûr. Je surveille sa durée, mais j'aimerais vraiment que celui-là, ce soit le dernier vlog des deux parties sur le festival en fait. Pour après n'avoir que le vlog par rapport à la reprise des cours, etc. Et reprendre en fait sur un chemin beaucoup plus normal, entre guillemets. Sinon, petit clin d'œil à mes superbes soquettes parce que en fait il a commencé à faire froid hier. Et du coup là moi je suis encore en pyjama. Bonjour les grosses cuisses. Salut mes Kinder. Alors aujourd'hui on est mercredi 4 septembre. Et d'ailleurs je tenais à vous dire si j'ai pas fait la correction par écrit sur le clip précédent. Je me suis trompée, hier j'ai dit qu'on était mardi 2 alors qu'en réalité c'était mardi 3 septembre, mais bon c'est pas très grave. Là je suis assise par terre et la caméra est posée sur la table parce que j'avais envie d'avoir les mains libres, mais aussi que la caméra soit juste posée. Mon père est à la recherche assez active d'un petit trépied à ma demande. J'y ai dit que c'était le cadeau que je voulais pour au choix mon anniversaire Noël, étant donné que les deux sont très proches. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo je pense qu'on sera au mois de novembre, je pense qu'on sera au mois de novembre, donc il restera plus que un mois avant mon anniversaire et Noël du coup. Un trépied ça me sera vraiment utile, ça me permettra de pouvoir tenir la caméra tranquille en faisant les vlogs comme ça, mais aussi de mieux la caler quand je la pose justement sur des meubles etc. plutôt que le système que j'ai actuellement. Il reste encore 3 jours de festival et donc jeudi, vendredi, samedi plus un quatrième jour dimanche qui est mon dernier jour officiel en tant que community manager pour la page Facebook du festival. À savoir que j'ai déjà commencé à faire une ou deux petites programmations de publication pour les deux prochaines semaines, notamment une la semaine prochaine, afin d'aider Tony, le président, à avoir un petit peu de contenu, même si il est pas trop dessus, le temps qu'il puisse reprendre vraiment un rythme beaucoup plus régulier dessus. Ensuite, ma rentrée a lieu demain, mais je ne vais pas en parler dans ce clip. J'ai fait le choix de faire à la fois terminer
ce vlog-ci, je veux absolument que ce vlog-ci soit bel et bien la deuxième et dernière partie de tout ce vlog autour du festival. Et concernant la rentrée, je vais en parallèle filmer exprès que pour ça. Donc j'ai pas intérêt à me mélanger les pinceaux quand je vais faire le montage de tout ça. Non, le programme du jour c'est que ce matin, non pas ce matin, tout à l'heure, plutôt dans la journée, j'ai dû pour la séance de 14h15 et de 14h30 aller à la manufacture, je suis allée prendre juste 2-3 photos des séances jeunes publics, hein, car Tony voulait souhaiter plus de publications autour des projections de films, séances en plein air, etc. Donc j'ai un peu rajouté quelques publications par rapport à ça entre aujourd'hui et demain. J'ai fait des photos supplémentaires, on a prévu des petites séances à faire supplémentaires avec Pauline. J'ai récupéré certaines photos de Pauline ce matin, mais j'ai pas terminé, mais on verra surtout ça ce week-end. Pour rajouter un peu plus cet aspect-là sur la page Facebook, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réalise concrètement le travail que je fournis, dans le sens où il y en a plein, enfin non pas plein, mais il y en a quand même 2-3 qui veulent absolument un focus sur ci, un focus sur ça, et t'as pas parlé de ci, et pourquoi ça, il y avait pas assez là-dessus. Et en fait, c'est à la fois énervant, exaspérant et un peu marrant, entre guillemets, parce qu'ils se rendent pas compte à 100% de tout le travail fourni, de la façon dont il faut gérer la page afin de la gérer au mieux. J'essaie de la gérer au mieux. Je sais pertinemment qu'il y a déjà largement trop de publications par jour, mais j'ai pas le choix pour certaines thématiques, j'ai pas le choix. Et il faut en plus de tout ce qu'il y a par jour que je rajoute les événements spéciaux et ensuite que je rajoute à chaque fois que quelqu'un, surtout Tony quand même, parce que c'est quand même lui que j'écoute, puisque c'est lui le numéro 1, faut pas l'oublier. Mais c'est compliqué, il y a par jour, en moyenne, il y a 6 à 8 publications en moyenne par jour. Et je sais pas si vous réalisez. Enfin bon, à mon avis, tout passage que je viens de faire, il sera en accéléré. Pour le reste de la journée, en plus du concert à 19h30, ça c'est habituel, et même si demain et après-demain j'ai la fac, à 19h30 je serai quand même au rendez-vous pour le concert. Pour la soirée spéciale coréenne avec le DJ vendredi soir, elle, après le concert, je mange, puis je ferai un aller-retour chez moi, ou alors je ferai d'abord l'aller-retour et peut-être que je reviendrai pour manger la soirée. Ouais, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Bref, je déposerai mon sac à dos, mon appareil photo, tout ça à la maison. Je me changerai exprès pour la soirée et j'ai vraiment envie de profiter. Juste profiter et participer à la soirée DJ, cover, machin. J'ai vraiment, vraiment envie. À la limite, je ferai juste quelques petites vidéos avec mon téléphone, comme ça il y aura des petits extraits sur la page Facebook. Mais sinon, j'ai déjà demandé à Pauline de couvrir la soirée parce que je veux pouvoir profiter. Et je pourrais pas profiter si j'ai toutes mes affaires et tout avec moi, c'est pas possible. Et avant ça, alors aujourd'hui tout à l'heure à 18h30, je retourne à la manufacture. Au conservatoire, il y a la deuxième et dernière diffusion du documentaire The Moluccans, réalisé donc par Sagrara Turbiva, qui est donc une réalisatrice russe d'origine asiatique, super sympa. Si vous avez été un peu suivre l'activité sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que je l'avais mis en story Instagram, j'avais mis une photo de nous deux, un selfie avec Sagrara. Ah, je viens de me rappeler d'ailleurs d'un truc qu'elle m'avait demandé, que j'ai demandé à quelqu'un, mais en fait ça n'a pas été fait alors que j'ai posé la question ce matin. Faut que je pense à relancer. J'ai aussi fait un portrait de Sagrara par rapport à son travail autour de ce documentaire et autour du documentaire sur lequel elle travaille actuellement. C'était fait à la demande de Tony, mais en fait j'ai trouvé ça super intéressant, c'était très enrichissant de parler de ça. Ça me touche beaucoup plus étant donné que c'est par rapport au cinéma et c'est quand même le cinéma qui m'intéresse le plus. On va dire que quand j'ai fait le portrait de Jéhou c'était intéressant, mais la peinture ce n'est pas ce qui m'attire le plus, c'est comme ça. Il y a des œuvres que j'aime regarder, voilà, mais pas plus que ça, hein. C'est comme pourtant on a tous des préférences dans la vie, moi c'est plus le cinéma que la peinture. D'ailleurs, j'ai recroisé Jewoo, Sei, Yoon, donc le garçon il s'appelle Yoon, et Jia. C'est complètement par hasard et ça m'a juste fait trop trop plaisir. Peut-être que je les croiserai demain soir, mais c'est pas sûr. Demain à 18h, il y a la table ronde spéciale sur la Corée et j'aurais adoré y aller. Le problème, ce sont les horaires. Parce que demain, je sors de la fac à 17h, la table ronde est au Goethe Institute à 18h et c'est juste trop le bordel, c'est juste trop le bordel. Je me suis déchargée de ça, j'ai demandé à Pauline qu'elle aille faire les photos. J'ai aucune envie de courir pour y aller et surtout, j'ai pas envie d'aller à la manufacture avec mes affaires de cours dans mon sac. Ça sera trop lourd. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je suis pas sûre de reprendre la caméra ce soir.
Demain, peut-être demain soir, si j'ai de nouvelles choses dont j'ai envie de vous parler par rapport au festival. Non, très certainement vendredi. Vendredi ou au plus tard samedi. Mais je pense que vendredi, j'aurai envie pour un retour sur le vif. Alors, je vous dis au prochain clip. Bonsoir mes kinders. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 5 septembre et il est bientôt 23h. S'il n'est pas déjà 23h, non, je crois qu'il est bientôt 23h. Il me semble que pour ce vlog aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de clip. J'en ai fait un pour mon prochain vlog, celui concernant ma rentrée scolaire et la reprise de la fac. Excusez-moi par avance si je me gratte assez souvent les yeux, c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Donc j'ai eu une journée vraiment chargée et c'est que tout à l'heure quand j'étais au festival que je me suis aperçue en vérifiant les photos sur mon appareil qu'en fait j'avais toujours les photos d'hier soir. Quand j'étais rentrée hier soir, je suis allée direct me coucher et j'ai complètement zappé aujourd'hui que j'avais toutes ces photos à traiter, tout ce travail à faire en fait. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée plus tôt ici. Ce qui est assez drôle, c'est que je me souviens avoir vu l'heure à 21h quand j'avais fini de manger, j'ai décidé de partir. Mais le temps que vraiment je parte, que j'appelle mon frère pour avoir quelqu'un au téléphone, puis que je rentre, quand j'ai vu l'heure qu'il était, en fait c'était déjà 21h26. En réalité, on n'est pas à 25 minutes pour faire ce trajet, c'est juste que j'ai traîné en fait, à partir du moment où je suis rentrée vraiment proche de mon appart. Je pense que j'ai un peu traîné avant de discuter avec lui. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un nouvel angle de vue. Je suis assise par terre, j'ai calé la caméra sur un niveau, une des étagères de mon meuble télé. Car j'avais envie de changer et j'avais besoin de poser la caméra. Là, j'avais trop mal au bras, je suis trop fatiguée. D'ailleurs, j'ai peur que le clip que j'ai filmé tout à l'heure pour le vlog numéro 7 soit un peu tremblant parce que justement, j'étais fatiguée. Mais bon, on verra, c'est pas grave. Hein. Soir, c'était une bonne soirée. Honnêtement, c'était une bonne soirée. C'était fatigant. Il y a eu un tout petit peu de tension, juste le temps d'une minute, mais ça s'est réglé tout seul, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis vraiment contente, j'ai pu enfin revoir Joost, le réalisateur néerlandais du documentaire Bruce Lee and the Outlaw. Même si, encore une fois, je ne l'ai pas vu super longtemps, parce que je cours partout, parce que lui il a tendance à être hyper actif, donc c'est pas évident de se caler un moment. Et j'ai quand même réussi à faire des selfies avec lui et avec Hélène, une toute nouvelle pote, une fille super sympa. Et c'était juste trop marrant, on en a fait plusieurs d'affilée et c'était mais trop marrant, ça se voit sur les photos d'ailleurs. Et je pense que vous le sentez à mon énorme sourire aussi, que c'était vraiment super sympa. J'ai revu Saglara et je suis hyper heureuse aussi pour ça. Ça me fait plaisir d'arriver à la voir une à deux fois tous les jours. En plus, elle a dit que demain soir, elle voulait absolument participer à la K-pop DJ Party. Donc la soirée K-pop avec le DJ à 23h. J'ai juste trop hâte. Je surveille l'heure en même temps et je vois que ça fait déjà 4 minutes que je parle. Je vous résume juste, hein, donc pour aller en accéléré. Ce soir, quand je suis rentrée, je me suis occupée de poster les vidéos du concert de ce soir. J'avais fait 3 petites vidéos de 1 minute chacune. C'est posté, j'ai posté aussi immédiatement les photos du concert de ce soir. Puis j'ai préparé toutes les publications entre demain et samedi de toutes les photos que j'avais pas publiées hier. Alors il y avait 2 ou 3 projections, plus le concert d'hier. Ça faisait pas mal et puis je les ai répartis entre demain et puis samedi aussi parce que je me suis rendu compte que samedi à l'heure actuelle il n'y avait que 2 publications. Maintenant il y en a 4 et il y en aura aussi un peu plus avec ce qu'on va faire demain. J'ai aussi les photos d'Alexandre de l'association K54 à récupérer. Il a fait pas mal de photos de la table ronde sur la Corée du Sud, thème Corée du Sud. Moi j'ai pas pu y aller, Pauline a pu y aller, mais je récupérerai les photos de Pauline que dimanche. On s'est fixé dimanche, pas encore d'horaire mais on se donnera rendez-vous dans les bureaux de l'asso à la manufacture. C'est plus simple pour elle, elle préfère qu'on aille là-bas au cas où ils aient besoin pour démonter de son fourgon puisqu'elle a un fourgon. Voilà à peu près le programme, là je vais boire ma tisane, je me suis fait une tisane, vérifier mon ordi, j'ai dû le redémarrer, me faire le visage parce que je ne l'ai pas encore fait, puis je vais aller dormir, j'en ai besoin. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis
À tout à l'heure dans le prochain clip. Salut mes Kinder, petit outfit of the day en ce vendredi 6 septembre. Salut. Il est 13h, 13h04. Alors aujourd'hui j'ai mis cette petite robe, enfin pas si petite que ça étant donné qu'elle va jusqu'au genou, mais c'est une robe que j'aime énormément pour son style un peu années 60-80. Pour cet après-midi, j'ai juste mes petites sandales. En revanche, ce matin, j'avais des collants noirs et une autre paire de chaussures. J'ai déjà préparé ma tenue pour ce soir. Alors, il y a des premiers éléments ici. Donc, ça, c'est une petite paire de sockets. Ça, c'est mon bonnet. Vous aurez la surprise pour ceux qui ne connaissent pas de le voir tout à l'heure. Des premiers indices sur mon sac avec ce superbe Monsieur Jack trop mignon et une petite sorcière qui date de 2009 ou dans ces eaux-là. Je vous montre pas le sac en entier non plus, c'est une surprise, donc il n'y aura pas ça. Il y aura ce t-shirt que je ne vous montre pas encore avec un jean pantacourt et une de mes toutes nouvelles vestes que vous verrez mieux tout à l'heure aussi. Alors, j'ai encore pas mal de boulot pour aujourd'hui. Là, je surveille l'heure parce qu'à 14h, je reprends la fac. Ce soir, donc quand j'ai fini, je reviens à l'appart. Je vois pour toutes les vidéos, tous les clips qui sont dans la caméra, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vidé. Il faut que je continue de monter tout ça et bien évidemment je dois retourner au festival. Je verrai en fonction de l'heure ce que j'ai le temps de commencer, pas commencer, etc. Étant donné que ce soir je veux aller à la DJ party à 23h, c'est ultra important que j'y reste, c'est pour ça que j'ai déjà prévu une tenue pour tout à l'heure. Au départ, je pensais garder mes fringues de fac, aller au festival et avant ou après manger, revenir me changer et tout ça, mais je me suis dit que c'était quand même mieux d'être déjà prête après les cours, comme ça j'ai juste à rester au festival jusqu'à la DJ party. Et je me suis fixée en objectif d'y rester au moins une heure. Au moins de 23h à minuit, la première heure, ce serait vraiment pas mal du tout. À voir comment la soirée va se passer. Hier soir, j'ai dîné avec Saglara et elle me disait qu'elle avait vraiment envie d'y assister, d'y participer. Alors on va voir. J'ai aussi sympathisé avec Hélène, qui parle russe, même si elle a oublié certaines choses. Contrairement à ce qu'elle dit, je pense quand même qu'elle doit être assez douée. Elle fait un mix entre le russe et l'anglais pour parler à Saglara et Saglara, ça lui fait vraiment plaisir de parler en russe à quelqu'un. Voilà, voilà, je vais vous montrer vite fait mon petit bébé qui est juste là-bas, il est tranquille. Et après, je vais vous laisser, je vais finir de prendre peut-être un biscuit de plus, pas tous. Brosser les dents, je verrai si j'y repars de suite, est-ce que je prends mon livre, bref, je verrai. En attendant, il y a mon ordi qui se remet en charge. Et voilà! Je vous dis peut-être à ce soir en rentrant. Je vais essayer, mais je vous promets rien. À plus. Les Mekinder, alors aujourd'hui on est dimanche 7 septembre et là tout de suite il est 10h51. Je suis debout depuis 9h moins le quart en sachant que hier soir je m'étais couchée vers 2h du mat parce que j'ai assisté à la fameuse DJ party coréenne et c'était vraiment trop génial. J'ai failli dire trop de la balle, trop de la bombe mais voilà. Non, c'était vraiment l'éclate, sinon je serais jamais restée aussi longtemps. À la base, je m'étais dit, ouais, je vais rester une petite heure jusqu'à minuit, machin. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis vraiment éclatée. D'ailleurs, je pense que ça se voit, ça s'entend. Je commence à m'enrhumer, enfin, à choper les crèves. On est tous en train de tomber malade pratiquement dans l'équipe. Surtout qu'avec mon traitement contre l'acné, le dosage ayant été augmenté, c'est la cata au niveau de ma peau de plus en plus. Et ça touche aussi mes sinus, je sais pas pourquoi, mais ça m'avait déjà fait ça la première fois. Donc entre tout le froid, parce que ouais, il fait putain de froid de tous les jours là, de plus en plus, dès 18-19h et le soir c'est encore pire, on était tous serrés comme des pingouins les uns contre les autres pour pas avoir froid. Mais c'était génial et là je voulais juste vous faire un petit bilan par rapport à ça.
vous montrer aussi, ça se voit, j'ai les yeux qui sont explosés, ça va mettre un moment avant d'aller mieux. Surtout qu'aujourd'hui, je vais courir encore pas mal partout au festival, j'ai pas mal de choses à faire. Demain matin aussi, il faut que j'aille voir Pauline pour récupérer les photos. Et ce soir, il y a la dernière DJ party. Donc là, c'est une DJ party normale, hein, il n'y a pas de thème spécifique. J'essaie de motiver Léa pour venir parce que Anne, mon autre super pote, elle n'est pas encore rentrée à Nancy, elle rentre que demain. Mais Léa, j'aimerais bien qu'elle vienne ce soir parce que ça me motiverait aussi. J'aimerais vraiment profiter, c'est la dernière soirée et tout. Faut profiter quoi si je suis assez en forme. Sinon, je vais vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai enfin pu reprendre le montage. Alors là, je vais commencer le tout premier montage. C'est le tout premier clip de mon vlog numéro 7. Je l'ai même pas commencé. Celui-ci, la deuxième partie du festival, il est déjà super long. J'ai enfin monté le clip que j'avais en retard depuis 3-4 jours. Et maintenant, ça atteint les 31 minutes et c'est loin d'être fini. Je pense qu'il fera 40... Honnêtement, 40 minutes. Je pense qu'il fera 40 minutes dans ces eaux-là, étant donné que sur cette caméra, il y a ce clip-ci, mais il y a aussi au moins 3 clips qui sont toujours dans la caméra, que j'ai pas encore sorti ni monté. En fait, je suis en train de m'occuper de ça maintenant. J'ai du temps. Je vais à la manufacture à 13h pour manger avec Chloé. Et parce qu'à 14h, je suis à une première projection, 14h15, une deuxième projection, il faut que je surveille quand les deux se terminent pour y retourner pour les moments de Q&A avec le public. Et ça, c'est hyper important, notamment pour Yoast, puisqu'il m'a demandé de filmer un petit peu son Q&A pour qu'il le mette sur Instagram. Donc ça, c'est super important, j'y ai promis. Et voilà, pour l'instant je vais vous laisser, je vais speeder pour continuer parce que mine de rien dans 5 minutes c'est 11h, il me reste que 2h et j'aimerais vraiment avancer le plus possible. Alors je vous laisse et je vous dis à plus tard. J'ai un visiteur comme vous pouvez le voir. Alors bonsoir, aujourd'hui nous sommes dimanche 8 septembre et il est 20h19. Ceci sera le dernier clip de ce très très long vlog qui constitue donc la seconde et dernière partie de toute la période de vlog sur le Festival International du Film de Nancy. Avant toute chose et avant que j'oublie, coucou! Je suis toujours la community manager de la page pour le moment. J'ai dit à Tony que pour l'instant, tant que ça va, je continue. Ça me plaît, j'adore l'équipe et tout, donc voilà, je préfère continuer. En revanche, côté négatif, je comprends pas ce qui se passe, mais toutes les vidéos que j'essaie de monter, tous les clips du prochain vlog, il n'y en a aucun qui marche. Alors je sais pas si c'est vraiment lié au clip, étant donné que les autres clips des mêmes journées, mais pour ce vlog-ci, ils ont tous marché, je comprends pas. Je comprends pas, donc pour le moment je vais déjà terminer le montage de ce vlog-ci, peut-être que je vais le faire ce soir. Et ensuite je réfléchirai à différentes solutions afin de comprendre pourquoi le reste ne marche pas. Sinon je sais pas ce que vous pensez de mon visage, ouais non c'est toujours pareil, on s'en fout. Je suis fatiguée mais je suis vraiment heureuse de cette journée. Demain matin il faut que j'aille faire ma prise de sang absolument étant donné que c'est après-demain que je dois aller à l'hôpital pour mon rendez-vous médical et il faut que je fasse la prise de sang juste avant. J'ai mon sac qui est prêt, il faut juste que je me ressorte des affaires pour demain. Ah non, quoique non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, j'ai déjà mangé, j'ai intérêt à pas l'oublier. Là, il faut que j'aille me laver, notamment me faire les cheveux quand même. Peut-être un gommage doux pour le corps, ensuite bien évidemment mon visage. Et la câlin est en train de me donner super chaud, mon petit bébé. Voilà, il y a une petite chose par rapport au festival, mais pour le moment, je ne vais pas en parler. C'est quelque chose de privé. J'ignore où ça va nous... Enfin, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. En tout cas, cette vidéo, elle va se terminer ici. J'espère que
ces deux parties, et notamment celle-ci, même si elle est longue, vous aura plu, je vous invite à vous abonner, partager, liker, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, même avec des questions, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!